J'espère que vous allez bien les gars. On commence la journée tranquillement avec mon petit déj vraiment fave de l'hiver. Je vous l'avais déjà présenté mais vraiment je ne m'en lasse pas. À chaque fois je mange devant les Marseillais mais là en l'occurrence c'est les princes et les princesses. Donc voilà, petit programme de la matinée. Je vais vous rapprocher un petit peu. Et puis on va passer à la dégustation. Mais le beurre de cacahuète c'est ma vie. Genre vous pouvez pas faire ça sans beurre de cacahuète par contre. Ça n'a aucun intérêt. Regardez ce que je vais pouvoir ouvrir aujourd'hui. Allez, on va l'ouvrir, le petit calendrier de l'avant. Petite chaussure. Et voilà, première case. Ensuite, j'ai pris un petit peu le temps de m'organiser la semaine. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo sapin de Noël, j'ai prévu de tous les jours vous faire une petite wishlist sur Instagram sur une thématique différente. Donc j'ai déjà commencé. J'ai fait tout ce qui est livre déco, j'ai fait skincare et puis on va continuer comme ça tous les jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, là j'étais en train de noter les quelques petites idées que j'avais. Et pour que ce soit un petit peu plus interactif, bah, je vous propose en chaque début de journée de me donner vos idées sur cette thématique de cadeaux. Je pense qu'il y a plein de produits dont je ne connais pas l'existence. Et à la fin de la journée, bah, je vous donne le résultat avec un petit mélange de vos idées et des miennes. Et bientôt 11h, j'ai répondu un petit peu à vos commentaires sur YouTube parce que là, il était temps que je réponde. Laisse tomber. Des fois, je prends trop de retard, je suis désolée, mais sinon, franchement, je les lis tous. Je réponds à tout le monde et je vous remercie encore d'être présent, de commenter mes vidéos parce que ça me soutient et ça me fait énormément de plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de savoir que le contenu vous intéresse. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment je me maquille quand c'est en mode vraiment très très rapide, juste pour la journée. C'est parti! She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that features. You'll find her beauty goes much deeper. Bon les gars, me voilà pimpée comme jamais. Je me suis un petit peu pimpée pour aller faire 2-3 cours. Sachez également que cet après-midi, j'ai 1h30 de cours en distanciel. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander un petit update à propos de Cash Business School. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis dans l'école de commerce de Cash Business School à Marseille. Forcément, après le confinement, Cash a décidé de totalement supprimer les cours en présentiel pour uniquement les Master 2. Donc j'en fais partie. Vous vous doutez bien que quand on fait un emprunt pour payer 13 000 € l'année, x2 du coup, parce que je fais Master 1 et Master 2, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une petite ristourne de la part de l'école. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que selon eux, ça leur coûte beaucoup d'argent de faire les cours en distanciel. Donc voilà, apparemment, c'est eux qui ont inventé Google Meeting. Et voilà, ça leur coûte très cher. Moi, c'est vrai que j'ai tendance un petit peu des fois à vivre en me disant que dans pas très longtemps, je vais devoir commencer à rembourser cet emprunt. Et déjà aujourd'hui, ben, chaque mois, je fais quand même un petit peu attention à mes finances, vous voyez. Et donc, il existe un site qui répertorie absolument toutes les aides d'étudiants. Donc, il vous suffit de répondre à un questionnaire sur le site de Wisby Money. Donc c'est un questionnaire les gars, hyper simple et rapide, donc ça vous prend 3 à 4 minutes chrono de répondre à ce questionnaire. C'est gratuit et sécurisé, donc moi personnellement je l'ai testé, vous vous doutez bien si je vous en parle c'est que j'ai essayé et que ça m'a intéressé. Puisque j'ai fait une grande découverte, sachez quand même qu'il répertorie plus de 100 aides, que ce soit nationale ou régionale. Donc voilà, peu importe si vous devez partir à l'étranger, rester en France en fonction de votre école, de la situation de vos parents, bref, ils prennent tout en compte. Vous avez même pas à rédiger les questions, c'est oui, non, célibataire, non célibataire, vous cliquez et puis c'est réglé. De toute façon je vous mets un petit peu l'écran pour que vous ayez davantage de comment ça se passe et à quel point c'est simple. Pour ceux qui sont pas au courant, j'avais prévu de partir à l'étranger à partir de janvier, mais bon, à cause du Covid, malheureusement ce sera pas possible dès janvier. Donc là vraiment ça va être un gros voyage à l'étranger. Je suis jamais partie aussi loin de ma vie d'ailleurs, je crois. Mais écoutez, ils prennent en compte tout ça dans le questionnaire et j'ai découvert que j'avais le droit à une aide de 2 400 €, ce qui est absolument pas négligeable. Ça, Wisby Money, voilà, j'étais absolument pas au courant. C'est une aide à la mobilité pour les étudiants qui partent en stage, etc. Je pense qu'on est hyper nombreux à même pas être au courant en fait en tant qu'étudiant qu'on a le droit à certaines aides. Je trouve qu'on est vraiment très très mal informé, que ce soit par le gouvernement, par les facs ou encore par les écoles de commerce. Après c'est également parce que nous étudiants on a tous des situations qui sont très différentes, mais bon c'est des situations que Wisby Money prend en compte. C'est tout simplement un acteur spécialisé à l'entrée de la vie active des jeunes. Je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le site questionnaire en 3 à 5 minutes et on vous dit tout de suite ce dont vous avez droit en termes d'aide. Puis écoutez, moi je pense que je vais aller me préparer pour aller faire quelques cours. Voilà, on va continuer la journée tranquillement. It's
She said she the one, I bet she thinks she is. Saying don't have no trust, I don't know where you been. I need a break, on the brakes. I'm on a wave, like Lake Michigan, cold. She the one, bet she thinks she is. Saying don't have no trust, I don't know where you been. I need a break, on the brakes. I'm on a wave, like Lake Michigan. Shorties out here playing. Playoffs, first seed, you deserve a jersey. Hanging from the nosebleeds, all up in the rafters. This that happily ever after, nah, wrong page, different chapters. J'avais trop envie de me faire depuis un moment. Je suis une grande fan de champignons. J'ai mis un peu de crème coco. Je pense que je vais me régaler. Pas mis de protéines parce que j'en ai pas envie. Voilà. Quand je prends envie de manger un truc, j'en mange pas. This is my body. Donc voilà. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire que ça manque de protéines. Mais bon. Comme d'hab, petit rituel devant les Marseillais. Bon app. La vérité, c'est ultra bon, les gars. Vous pouvez vraiment reproduire cette recette sans aucun souci. Allez, j'y retourne. Il est 16h, it's time to Pamela. Donc je suis super contente parce que la semaine dernière j'ai pas du tout le temps de faire Pamela, j'avais un milliard de trucs à faire. Mais aujourd'hui on est mercredi et j'ai le temps. Donc je me suis dit, Estelle, Tutti, remets. Ne faites pas cette erreur quand vous avez pas pu commencer dès le lundi de vous dire que vous allez reprendre le lundi prochain. On la connaît, l'astuce. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu de motivation, en story Instagram je vous partage tous les jours une petite partie de mes workouts. Donc si vous voulez vous motiver, bah écoutez, let's go on Instagram. Est-ce que je vous ai dit que je me suis fait une petite séance shopping? Je remercie donc Yvette Sport qui m'a rincé en vêtements et qui m'a permis d'enfin refaire ma garde-robe en fringues de sport. Je fais du sport quasiment tous les jours et j'aime pouvoir transpirer dans des vêtements qui soient confortables et de bonne qualité. Donc c'est vraiment ce que j'aime chez Yvette, c'est qu'on a la possibilité de trouver tout ce qu'on veut à sa taille, puisque c'est une marque inclusive qui commence du XS jusqu'au 5XL et ce à des prix hyper abordables. On a pour tous les goûts et toutes les shapes, donc vous allez forcément trouver votre bonheur sur ce site. Allez, on va pouvoir commencer. On commence avec cette brassière et je vous cache pas que je suis totalement fan de la couleur, je la trouve juste trop belle et confortable. Est-ce qu'on en parle de ce legging qui vous fait un booty de ouf? En plus, il est hyper gainant au niveau de la taille, moi c'est tout ce que j'aime. Et alors, pas du tout transparent, vous pouvez faire tous les squats que vous voulez en salle de sport, on verra jamais vos petites fesses. Allez, on passe au vert, la couleur de l'espoir. Et ce que j'aime beaucoup avec cette brassière, c'est qu'encore une fois, elle est très confortable et elle maintient au top du top. Méga crush également sur cette petite brassière hyper tendance avec les petites lanières devant. Pour la team gros tété, cette brassière est faite pour vous, le maintien est dingue. Gros crush pour ce legging également, gainant, confortable, canon. En plus j'adore le petit jeu de texture au niveau des jambes. Et pourquoi pas la petite poche pour ranger un truc. Enfin pour le dernier article, il s'agit de ce pull hyper loose, confortable et tendance, donc on adore. Maintenant qu'on est hyper équipé en fringues de sport, on va pouvoir commencer la séance. Ça m'a fait du bien là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de sport du coup. D'ailleurs, je vais boire un peu mieux parce que je sport. Puis écoutez, là, je vais aller me doucher, chiller un peu, travailler un peu aussi parce que j'ai des trucs à faire pour les cours et puis on se retrouve pour le repas de ce soir. Écoutez, je suis allée sous la douche et écoutez, là je vais préparer le repas parce que j'ai trop faim. Il y a Didier qui va pas tarder à arriver, mais aujourd'hui va rentrer assez tard. Mais bref, au moins ça me permet de tout préparer tranquillement. Thank you.
Oh, I just thought I'd drop by. Just checking in. Ça va, monsieur, tu te sens bien comme ça? Là, c'est bien. Bon, c'est la dégustation. Je dis arrête le bêtise. T'es bien excité, je trouve. Il dit. Oui, je coupe mes potes. Franchement, c'est grave bon, ce plat. C'est beaucoup trop bon. Parle dans le micro. C'est beaucoup trop bon. Franchement, ça, pour le coup, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est facile, c'est rapide et c'est bon. On va finir sur un petit repas en intimité parce que DJ, il aime bien avoir sa petite intimité quand il mange. Il y tient. Et puis, on se retrouve juste après. Il dit. Dis au revoir. Ciao. Ciao. C'est bon, tu peux reprendre ta liberté. Bon, du coup, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère franchement que vous avez passé un bon moment. Ça faisait un petit moment que j'avais pas refait des vlogs, vraiment une journée dans ma vie où je vous montre tout ce que je fais. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez passé un bon moment en commentaire. Et en likant cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui vont arriver, puisque comme d'habitude, il y en a encore plein qui vont arriver. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo qui sera cette fois une vidéo food. Voilà, je sais que vous les kiffez. Donc on va se retrouver dans une vidéo food. Ciao!